Hello à tous, aujourd'hui on est mardi, j'ai envie de vlogger, je me dis que lundi prochain je bosse, donc je pourrais plus vlogger comme ça le matin. Clara est là. Clara, Clara ma belle, viens ma belle. Et Lou est là. Lou, Lou. Voilà, j'amène les deux. Donc l'adaptation pour Lou se passe très très bien, on est super content. D'un seul coup à 4 mois, boum, elle a changé comme si elle était prête, ou si elle est contente d'être considérée comme une grande ou comme ses frères et sœurs, j'en sais rien. En tout cas, elle pleure pas, bon le biberon elle le prend pas, elle lui font comme ça du goutte à goutte, mais elle arrive à prendre 60 ml, impeccable, rien à dire, franchement super contente. Super contente pour tout. Non. Il y a une dame qui vient de m'arrêter, qui me voyait vlogger, elle a dû se dire mais quelle tarée celle-là. Et du coup elle me dit mais tu veux que je te la prenne moi la photo, je te la prends. Hein. Non non, je suis en train de filmer, non non, c'est pas grave. Allez on y va parce que là on va pas y arriver. Hein. Voilà, j'ai laissé les filles. Bon ben Lou, je doutais sur elle, mais en fait elle est comme son frère et sa soeur quoi. Ciao maman, ciao papa, laisse-moi là que je suis bien et voilà. Donc tant mieux, hein. Elle y va sereine et super contente, non mais je suis trop heureuse. Je voulais vous dire, donc la garderie, pour l'instant, alors Clara elle y va de 9h à 16h30. Et Lou, elle y va de 9h à 12h30 pour l'instant. Vu que Nicolas est toujours au chômage, je ne vais pas payer en plus la cantine. Donc dans cette garderie, c'est une garderie privée. La cantine, elle est faite, c'est fait maison. Hein, voilà, la directrice, elle se met derrière les fourneaux et elle fait tout. Tout est fait maison, tout est plutôt sain, des menus simples. Et voilà, donc les prix. De 9h à 16h30 avec avec le repas et le goûter. Pour Clara, je paye 381 euros. Et donc, il n'y a pas le petit déjeuner. En fait, moi, à ce prix-là, voilà, je croyais que tout était compris. Et je voyais qu'elle s'approchait des 1 an et... Il lui donnait toujours le biberon le matin. Je disais, mais il faudrait peut-être la passer, je sais pas moi, au yaourt, à quelque chose de sweet. Un peu, mais ce que tu nous donnes, toi. Ah bon? Mais c'est pas compris dedans. Non, non. Donc en fait, j'ai compris au bout d'un an, donc comme quoi, hein, à l'étranger, on apprend toujours. Hein. En fait, il n'y a pas le petit déjeuner, quoi. Tu dois fournir le yaourt le matin ou le sandwich pour ce que vous lui donnez. Et donc 381 et là pour Lou je paye de 9h à 12h30 sans, donc je fournis aussi l'eau, le biberon, le lait, sans le repas du midi, c'est 194 euros. Je trouve ça assez cher, donc 381 plus 194, je sais pas, 4, 5, presque 600 euros, et comme les deux sont inscrites à la garderie, me fait 25%, donc je crois que là actuellement je paye 430. Et après, quand Lou restera plus longtemps, alors avec le repas, je crois que je serai autour de 570 euros. Donc, c'est pas donné tout ça. Hein. C'est pour ça que... Attendez, je change de bras, ça fait mal. C'est pour ça que, voilà, ici, on dit que c'est cher d'avoir des enfants. Ben oui, hein. Là, 570, presque 600 euros pour les filles. Puis, je suis autour de 300 euros pour Gabriel. Il y a 900 euros qui partent dans l'éducation à peu près. Et voilà, ben, c'est un salaire. Hein. Clairement, c'est un salaire. Donc voilà, donc les gens où ils font un enfant, ou ils en font deux, et souvent ils les font séparés. Enfin, avec beaucoup de différences. Ou sinon, ben, ils ont de la thune. Ça aussi. Hein. Donc voilà. Voilà pour la garderie. Je reprends ce vlog là. Je bois un café tranquille. J'ai fait le ménage partout dans la maison. Nicolas qui me parle. Attends Nicolas, je t'entends pas là. Donc
petit moment tranquille. J'ai oublié de dire que pour la garderie, oui, comme tout se paye, les feuilles, tout ce qu'utilise le matériel des enfants. En fait, dans la garderie de Clara et Lou, c'est 100 euros pour l'année. Donc, au début de l'année, en septembre, j'ai donné 100 euros pour Clara. Et là, j'ai donné 100 euros pour Lou. Dedans, il est compris ben, les crayons, enfin le matériel, les crayons, la peinture, ce qu'ils utilisent. S'ils doivent faire un album photo, ben, voilà l'album. Là, Lou, elle a un petit transat avec une housse en fait pour le transat. Voilà, tout ça, ça se paye. Et voilà, donc j'avais oublié ça dans le budget. Et puis les livres qu'on paye, enfin voilà, ouais, beaucoup de frais. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ben, je ne sais pas comment va évoluer cette chaîne en fait, parce que vu que là je ne bossais pas et que entre la maison, les gosses, les montages vidéo, c'est du taf, hein, moi je ne sais pas. Les vlogs c'est plus facile, ça vlog, tu mets ta caméra, tu tournes, voilà, tu montes et hop. C'est plus chiant les hauls, tout ça, faut les produits, faut tout. Rapatrier dans un coin ou pas s'en servir. Enfin bon, bref. L'histoire de youtubeur. En parlant de YouTube, j'ai plein de problèmes. J'avais un iPhone 5S, j'ai voulu changer pour le Samsung Galaxy S7 qui est censé être le dernier smartphone de Samsung, quoi. Et en fait, ben, je le trouve moins bien. Attendez, j'ai mal au bras. En fait, l'image, je la trouve pas terrible. Après, quand je fais mes vidéos, la dernière image, elle est bloquée. Donc, quand je monte, ben, y a comme un blocage entre deux séquences. Instagram, ça rame beaucoup plus. Quand je fais une story, ben, je peux pas la visionner. Je crois qu'il a un problème. Je vais le ramener, ce téléphone. Dites-moi si vous avez entendu parler de problèmes sur les Samsung Galaxy S7. Et dites-moi si vous voyez que la qualité est moins bonne qu'avant. Donc ça, c'est mon problème avec mon téléphone. Voilà. Après, j'ai un problème avec le programme de montage. Moi, j'ai pris Filmora. Tout le monde dit que c'est bien. J'ai eu aucune critique. Je vois aucune critique sur Internet. Et pourtant, moi, entre deux séquences, eh ben, ça saute. Ça saute, ça ralentit. Et en fait, entre deux séquences, si tu veux faire une coupure précise, eh ben, tu ne peux pas. Donc, j'ai lu quelque part que c'était peut-être un problème de format, mais quel format? Moi, je l'ai fait avec, je le fais avec mon appareil photo, avec le Samsung, avec le Apple, et voilà, il y a toujours un problème sur Filmora, quoi, je sais pas. Donc, si quelqu'un voit cette vidéo et qu'à Filmora, ben, dites-moi si vous avez des soucis de format, si entre deux séquences, ben, ça bug, enfin voilà, dites-moi. C'est chiant tous ces problèmes-là. Des fois, j'ai envie de tout couper. Et voilà, ça prend du temps. Et moi, du temps, j'en ai pas, quoi. Voilà, sur ce, ben, j'ai reçu plein de petites choses cette semaine. Donc, je ferai un haul. Et voilà. À plus. Donc, je fais des essais. Donc, je vais rendre ce téléphone. En fait, il a vraiment un problème. Alors, au début.